Space. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une info, donc news sur Call of Duty Infinite Warfare en mode multi tout simplement. Donc c'est une news sur les nouveautés du quartier maître. Et donc il y a quand même une grosse nouveauté qu'ils ont ajoutée. Donc tout d'abord je vais vous parler de la petite nouveauté du quartier maître qui se termine dans 23h, donc quand vous aurez la vidéo, elle se terminera dans 20h quoi, plus ou moins. Donc voilà, c'est là je vous mets le message du jour, c'est l'heure du thé. C'est l'heure du thé les enfants, quel meilleur moyen de fêter ça avec un largage de ravitaillement tout spécial. Dès maintenant jusqu'à lundi 19h européen quoi, profitez d'un largage de ravitaillement heure du thé incluant un accessoire d'armes Earl Grey et une carte de visite sachet double usage et un mouvement sachet de thé. Le tout pour 1000 matériaux. Préparez les flingues et les biscuits, on s'occupe du thé, MDR. Donc attendez, donc si je récapitule ça, on a un accessoire de thé, donc d'arme, une arme quoi, donc un accessoire qu'on accroche à une arme, donc ce sera un sachet de thé. On a une carte de visite sachet, double usage, et un mouvement de sachet de thé. Donc tout ça pour 1000 matériaux. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui font la collection des accessoires, ça pourrait vous intéresser. Donc ça coûte 1000 matériaux, après 1000 matériaux c'est quand même assez difficile à avoir, mais bon je trouve que c'est quand même, bah ça vaut quand même le coup je trouve, pour ceux qui veulent collectionner tout ça. Donc la deuxième, donc le deuxième message du jour, donc la big nouveauté pour le quartier maître, c'est triple jeu du quartier maître. Donc dès maintenant jusqu'au 5 mai, 19h heure européenne, chaque triple jeu du quartier maître inclut 10 largages de ravitaillement rares, un piratage d'armes MK2 garantissant une arme épique MK2 et un piratage de la collection du quartier maître garantissant une arme de collection du quartier maître pas épique, hein, ils disent pas épique là. Donc ils garantissent juste une arme de collection du quartier maître. Obtenez-les dès aujourd'hui. Donc bref. Voilà. Hein, on va faire le point là-dessus, voilà. Donc on a 10 largages de ravitaillement rare. Donc sachant qu'un largage de ravitaillement rare coûte 30 clés, ça fait 300 clés. Donc on gagne 300 clés. On a un piratage d'armes MK2, donc une arme épique de MK2. Et on a une arme du collection, un piratage de collection du maître. Ouais, donc on a une arme du quartier maître, obligatoire. Donc voilà. Alors maintenant, le prix de ce pack coûte 400 clés. Donc au final, on paye 100 clés pour avoir une MK2 épique et une arme du quartier maître. Donc je trouve que c'est quand même assez rentable. On a déjà vu mieux, je pense, si je me souviens bien. Non, c'était 525 clés ou 575 clés. Donc en réalité, je pense que ça équivaut. Franchement, les deux packs là, c'est des super packs. Donc moi, je vous conseille de les acheter le plus vite que vous pouvez. Donc tout simplement, on se rend sur Call of Duty Infinite Warfare. On va dans multijoueur, puis dans partie publique, puis dans quartier maître. Et là, vous avez à l'affiche le triple jeu plus l'événement heure du thé. Donc d'abord je vais vous montrer moi ce que j'ai. J'ai 89 ravitaillements rares plus 75 ravitaillements standard. Et aujourd'hui je vais faire l'opening de tout ça. Je vais faire parce que ça je l'avais c'était pour l'ancien truc à 575 clés ou 525 clés que j'avais ouvert. Donc je les avais gardés pour l'ouvrir en opening. Donc je vais ouvrir ça. Donc ces quatre trucs là. Donc la dernière fois on avait eu pour le triple jeu, on avait eu un piratage de donc une arme de type marque 2 épique. On avait un piratage d'armes épique. On avait un piratage de camouflage épique et on avait un largage de ravitaillement épique. Donc aujourd'hui, à l'affiche, c'est différent. Donc on peut voir qu'on a une limite, donc les marqués en bas, limite d'achat 10. Et là ici, achat restant 1. Donc il reste 23h09 et en haut il reste 7 jours 23h09. Donc moi je vais en ouvrir
8, ouais, je vais pouvoir en ouvrir 8. J'ouvrirai les deux restantes dans les 7 jours qui suivra, enfin dans les 8 jours qui suivra, parce qu'il reste 7 jours à 23h, donc voilà. Et là, on a donc un piratage quartier maître et une arme épique type 2, plus 10 ravitaillements. Donc avant, pour 525 clés, on avait ces 4 trucs-là, donc c'était un peu plus rentable, je trouve, l'opening triple jeu d'avant. Mais celui-là est toujours aussi rentable. Donc maintenant on va passer à l'opening. Donc tout d'abord on va faire l'événement limité, donc heure du thé. Et c'est parti, on va payer les 1000 matériaux. Bien sûr j'en ai 13 000, donc c'est pas un problème pour moi. Alors voilà l'accessoire qui disait. Donc un petit sachet de thé. Et le mouvement aussi, deux petits sachets de thé. Donc si vous jouez en multi, ben, vous savez c'est quoi le mouvement hein. Et une carte du visite, ben, un sachet de thé aussi hein. Voilà, ça va aller vraiment. Elle est pas mal, elle est assez marrant, ça va, c'est assez stylé. Le type, il saigne du nez et tout, apparemment c'est du putain de thé assez efficace, hein, MDR. Donc voilà, en plus l'accessoire est un épique, donc c'est assez cool. Alors, heure du thé plus disponible, c'est normal. Donc maintenant, on va ouvrir 8 offres triple jeu. Et on offrira l'opening après. Donc là, on va les ouvrir tous les 8. Allez, 400 clés, c'est parti. Donc je vais viser 3400 clés. Hein. Donc on retourne dans la fiche. Donc vous avez vu, ça m'a rajouté un type de marque 2. Ah voilà. Donc j'ai eu. J'ai eu ça. Piratage, arme épique. Non, j'ai eu piratage, collection, quartier maître. J'en ai eu un comme ça. J'ai eu un comme ça. Type marque 2 épique. Et j'ai eu. Et j'ai eu 10 caisses de ravitaillement rare. Donc voilà. Alors on va les ouvrir tous. Hein. C'est parti. Ah voilà. Vous n'avez pas assez de clés ou de points code pour acheter ce ravitaillement, ce largage de ravitaillement. Donc voilà, j'ai acheté tout, donc il me reste 239 clés. Donc de 3000 des clés, je suis tombé à 239 clés. Voilà, je me suis fait dépouiller là, MDR. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ben, on en a reçu 8, hein, normal. 8 comme ça aussi, normal. Et on a reçu, donc 8 fois 10, ça fait 80. On a reçu 80 ravitaillements rares. Donc je ferai sûrement un opening bientôt pour ouvrir les 100. Ravitaillement rare, ce sera sûrement le courant de cette semaine, hein, je pense. Donc, enfin, on est dimanche, donc ce sera sûrement le courant de la semaine qui arrive, enfin, la semaine prochaine, enfin la semaine qui vient, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier hein? On va ouvrir quoi? On va ouvrir le camouflage, piratage armé pique. Ok, on va ouvrir le camouflage, puis après on va ouvrir le ravitaillement épique. Et après on va ouvrir les 8 de quartier maître, puis on va ouvrir l'arme épique, et puis après on va ouvrir les 8 type marque 2, les 9 type marque 2. Allez, c'est parti pour le camouflage. Donc, j'espère qu'ils vont me donner un bon camouflage. Ça c'est de la merde, ouais ça va. Je pense que c'est un camouflage qui bouge en plus, donc c'est pas mal, corps à corps. Le problème c'est que en corps à corps, ben, en zombie il n'y a pas. Donc voilà, le camouflage ne me sert à rien, donc, enfin en multi, mais je joue pas en multi, donc voilà. Alors la gaufre et l'autre sont tous les deux pourris, et j'ai reçu 10 matériaux de bonus, donc voilà, c'est de la merde. Alors, on va ouvrir le largage de ravitaillement épique. Alors, saut dans l'espace, NV4 rédemption, je pense que je l'avais, et SLM provoque, ok, donc que de la merde, tout ce qui m'intéresse pas. Ça commence mal. Donc, on va faire le piratage d'armes épiques pour au moins avoir une arme épique. Hein. Et après, on fera les autres. Ça, je l'avais pas. La Reeking. Donc, je l'avais pas, donc ça fait plaisir. Hein. Épique, ok, nickel. Fusil d'assaut, optimisation, pareil. Parfait. Alors là, on va ouvrir ça. Donc, le piratage quartier maître. Largage quartier maître. Donc Russie, camouflage, Kabar 32 chargé, RVN dualité, ok parfait, légendaire, dynamique, concentration, fusil d'assaut, ok c'est parfait. Une arme que je n'avais pas, parfait, plus 12 matériaux, allez on continue.
Donc Foudu enchaîné, Arcade de l'au-delà, trop de la merde, et UDM Stalker que j'avais pas en épique, ça c'est bon ça, mode fusil de précision, ok, il peut me servir de sniper, ça c'est cool ça, arme de poing. Donc ça c'est la petite mitraillette en fait, c'est le petit gun en fait, carrément l'UDM, ouais, c'est le petit gun qui peut me servir de fusil de précision, putain. Elle a l'air stylée celle-là, elle a l'air stylée, faudra tester. Alors, achat de l'art. De ravitaillement, pam, jeton double XP, j'en ai pas besoin. Moller Grizzly, je crois que je l'avais pas, et ah bah si je l'avais, Exéon farceur, ouais, je sais pas quoi. Tueur à gage, tireur d'élite, ok, parfait, légendaire, j'avais pas, c'est parfait. Plus 11 matériaux, nickel. Alors, achat, donc des double XP, j'en ai 124, je les utilise pas, voilà quoi. Donc il faut savoir que les jetons double XP sont utilisables en zombie et en multi. Donc là je viens d'avoir la hache de lancer bourreau. Donc là il y a plein de gens, ils vont me dire: ah, l'enculé, il joue pas aux zombies, il a l'arme, la hache au corps à corps. Bah ouais les potos, je suis désolé. MDR, donc lancer, accélération, franchement ça a l'air épique ce truc là. Si je fais une partie en multi, je l'essayerai bien. Alors détermination, carte de visite, ok elle est pas mal. Corps à corps Royaume-Uni, ok on s'en fout de ça. Camouflage, j'ai pas vu les matériaux, j'ai pas fait gaffe, de toute façon les matériaux on a un peu rien à foutre, j'en ai blagué donc, voilà. Alors la VPR colère, je l'avais déjà je pense, et la MC, ah non je l'avais pas, parfait. Là on est en train de remplir la collection là, ça c'est cool ça. Donc une type MK2, en plus c'est une légendaire MK2, parfait. Donc là les deux autres j'avais, donc j'ai eu des doublons, donc j'en ai eu 15 plus 100 matériaux, enfin j'ai eu 115 matériaux en fait. Donc ok, on continue, il nous en reste plus que 3, ça diminue. Donc l'UDM mode 3, je crois que je l'avais pas. Viande de qualité et espace. Ok, ces deux-là, je les avais. Donc encore une arme à rajouter à la collection, c'est cool, ça fait plaisir. Tueur à gage, race moquette, c'est ok. Petit matériau. Alors, donne-moi du lourd, ah j'avais pas ces deux-là. Je les avais pas, explosion, non je l'avais pas, hein, explosion. Non, j'avais l'autre, j'avais celui qui tirait un laser, là, je sais plus comment elle s'appelle. Donc surcharge, stabilité, et l'emblème, ouais elle est pas mal l'emblème, mais j'ai un emblème personnalisé donc ça m'intéresse pas. Donc en plus j'ai eu 46 matériaux, ok. On continue, le dernier piratage du quartier maître. Donc R3K, Xeon. Et une carte, un camouflage que j'avais déjà. Donc là, Xeon Fossé Farce. Ah ouais, je venais de l'avoir celle-là. Mais là, je l'ai eu en MK2. Donc ça, c'est cool. Et une rare que j'avais pas non plus. Donc c'est parfait. Hein. On augmente la collection. Ça fait plaisir. Donc je tombe de BXP, on s'en fout. Carte de visite feuille. J'avais déjà, je pense, oui. Et la Moller Mammouth, j'avais. Ah si, je l'avais, mais pas en MK2. Parfait. Dévastation x2, t'imagines, ça fait double dégâts quoi, c'est un truc de fou cette arme. La mammouth, elle est terrible. Enfant terrible. Alors la Eurad Cerber, je l'avais déjà, hein. Non même pas, c'est parfait, putain, la collection elle augmente là, c'est cool ça. C'était épique, hein. Attention, j'aurais que de l'épique. Hein. Allez, bam, la Banshee doppler. Explosion sonique toujours prêt, parfait. Donc le reste j'avais, doublon. Allez, plus que 6. Allez, envoie du lourd Mandel, envoie du lourd. Donc RPR Evo, pas du jeu, Mayday, DSM 8, masochiste. Avantage punitif. Donc je l'avais déjà en normal et là je l'ai eu en MK2, parfait. Donc avec le DSM8 que je viens d'avoir, on a des munitions illimitées pour ceux qui ne le savent pas. Donc la MV4 Vigilance, la EBR800 Osiris, parfait. Hein. Que demander de plus de cartes que je n'avais pas. Et en plus j'ai reçu une carte de visite de Titan que je n'avais pas non plus. Ça peut être... Ouh, 210 matériaux en plus j'ai reçu en bonus, ça c'est bon. Ça, aussi. Même si les matériaux c'est pas ça qui me... Alors KBS Love. Longbow, héros, putain ça pète parce que il me donne aucune doublon en épique, c'est parfait. Chargeur, concentration, matériaux et le camouflage qui pue la merde. Donc parfait. Allez, plus que 3 et puis c'est fini. C'est là la fin des haricots.
Oh là là, oh là là, putain, il me donne la hache en épique. Mais du MK2, putain, mais ça déchire sa mère. Là, les gens, ils vont être encore plus dégoûtés, mon gars. On a un pack opening, j'ai eu les deux haches, mon gars. J'ai eu la hache du quartier maître et j'ai eu la hache du MK2. Franchement, si c'est pas de la chatte, ça, MD. Alors, le pire, c'est que je vais peut-être même pas les utiliser. Quoi. En plus, franchement, elle est stylée. Regardez un peu le camouflage de la hache. Bah, elle est terrible, elle est terrible. Parfait. Alors, deux dernières, l'avant-dernière. EMC, écran d'arrêt. Ok, je l'avais pas non plus en MK2. Ça pète, ça fait plaisir. Alors, un matériau et un camouflage qui pue la merde. Donc, super cellulaire et stabilité. Parfait. Et la dernière MK2 épique, je vais l'ouvrir avec mon nez. Peut-être que ça me donnera 3 épiques, qui sait. Avec un peu de chance. Vous y croyez, ça, 3 épiques? Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort! La Banshee sirène! Sirène? La nouvelle, celle-là, ou quoi? Je m'en souviens pas de celle-là. Onde de choc, tireur d'élite. Parfait, parfait, parfait. XP 15% par victime, magnifique. Donc voilà, voilà les amis, le pack opening est fini. Le prochain pack opening que je ferai, c'est quand j'aurai trouvé, quand j'aurai eu les 800 clés qui me manquent pour ouvrir les deux achats restants. Comme ça, j'ouvrirai 100 caisses de ravitaillement rares, plus deux fois les MK2 et deux fois le largage quartier maître. Donc voilà, j'ouvrirai pour 100 ravitaillement rare plus 2 MK2 épique et 2 quartier mètre. De largage de quartier mètre. Alors, juste pour faire un peu le point, on va aller voir en équipe d'armes. Et voyons voir. Ok, ça c'est une nouvelle. Apparemment, non. Si, c'est une nouvelle, la requine, que je n'avais pas, donc arme entièrement automatique avec recul réduit, ok, quantité de munitions accrue, donc là j'avais les 150 pour la bombe nucléaire, bon on s'en fout hein, de la bombe nucléaire, si je fais des world records, ben, on utilisera le truc nucléaire, mais en attendant, il n'y en a pas besoin, donc, on va équiper ça. Et là, on va mettre ça. Voilà. Alors, la NV4, non. Attends, ça, je vais rajouter un accessoire. Parce que j'ai débloqué un niveau. Voilà. Ok. Ok, là aussi, il faut rajouter. Hop. Hop. Là. Je crois que. Ouais. Phaser. Donc, ça, c'est les deux nouvelles que j'ai eues. Donc, on va prendre la MK2. Donc, plus gros. Attends. Ah, c'était accélérer la vitesse de précision au tir jugé. Là, gros bonus accordé à la jauge de bonheur. Augmente la portée. Ok. Je dis zombies en 10 secondes. Ok. Ok, en fait, ça augmente ton spécialiste quand tu fais 10 zombies en 10 secondes. Ok, donc on va mettre un viseur vélo. Et on va mettre une poignée. J'utilise jamais cette arme, je suis niveau 3. Mais j'avoue qu'elle est stylée. Franchement, elle a une stabilité en plus avec. Augmente la portée. Ouais, il y a une grosse stabilité, donc ça pète. Donc voilà. Alors, voyons voir si j'ai eu autre chose dans les autres. Carnage. La cible qui suit le dégât est mise en avant, on s'en fout. On va prendre ça. Voilà. Hop, et là. Hop, hop, hop. Hop. Il y a un chargeur. Voilà. Parfait. Ok, ok, ok. Comme ça, un peu, vous voyez un peu mon arsenal. Parce qu'elle est quand même bien remplie. Regardez un peu toutes les armes. Franchement, c'est assez complet. Donc, la Hero. Donc, ça, c'est une nouvelle. Réduit le temps de rechargement de la vitesse de mouvement. Hein? Réduit le temps de chargement et la vitesse de mouvement. Ah, ok. Ok. Ok, je recharge plus vite. Et la vitesse de mouvement, mais la vitesse de mouvement est réduite. C'est pourquoi? C'est quoi l'avantage là-dedans? Il n'y a pas d'avantage. Réduit l'oscillation en visée. Ok, ça c'est cool. Augmente la visibilité des ennemis. Ok, donc elle est mieux celle-là. Donc hop, on va mettre ça, ça, ça.
Ok, donc là j'ai eu quoi? La fumée. Équipé d'un silencieux amélioré qui ne réduit pas la portée, efficacité de l'arme. Ok, efficace de l'arme. Et la portée efficace de l'arme. Ok. Alors, et le deuxième, c'est rechargement plus rapide lorsque le chargeur est presque vide, se cumule avec dextérité. Ok, petit bonus accordé à la jauge de bonus. Ok, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux ça. Allez, c'est parti, viseur de l'eau. Premier, hop, hop, et un chargeur. Donc ici, c'est bon. Ah ben voilà, ben j'ai la Doppler en MK2, ok, parfait. Donc on va mettre, hop, premier ergo, premier avant, cross, amplificateur et chargeur à fusion. Ouais. Alors là, c'est bon. Là, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la majociste en MK2. Après, j'ai eu l'épitaphe. Réduit le signe. Ah ouais, j'ai eu l'épitaphe en MK2 aussi. Donc, réduit graduellement la dispersion quand vous tirez au jugé. Ok. Et réduit, recul réduit se cumule avec poignée avant. Ok. Donc là, c'est les munitions illimitées. La majociste. Donc, je vais l'enlever. Je vais utiliser l'épitaphe. Hop. Voilà. Et là, on va mettre poignée avant. Poignée ergo et la crosse. Voilà, c'est ça. Non, on va la crosse, on va mettre un petit particule. Voilà, un petit particule. En petit particule. Voilà. Alors, ça, bah, y a pas. Hein. Ok, la Kendall 44, ça, on va laisser parce que je préfère les munitions accrues. Donc, le chargeur se vide à moitié à chaque tir. Réduit. Non, produit une importance des charges d'énergie à chaque tir. Oh, grand arrêt. Celle-là, elle a l'air pas mal. On va tester. On testera ça. Hop, poignée. Amplificateur, ouais. Cross. Voilà. Alors. Ah ouais, l'UDM. Alors là, j'ai eu l'UDM. L'UDM change cette arme en un pistolet de précision semi-automatique. En plus, c'est un semi-automatique, quoi. Rechargement plus rapide lorsque le chargeur est presque vide, se cumule avec dextérité. Parfait, on va tester ça. Mais alors, on va laisser le viseur d'origine. Parce que si je mets un viseur holo, ce ne sera plus un fusil de précision. Donc on va tester le fusil de précision. On va mettre la poignée ergo, on va mettre le canon rayé, on va mettre le chargeur, on va mettre la balle pointée, on va mettre la balle creuse. Balle chemisée, balle à pointe creuse. Ouais, c'est bon. Voilà. Et ensuite, bah, c'est tout. Donc voilà, je vous ai montré toutes les armes que. Toutes les nouveautés. Enfin, toutes les armes épiques que j'ai reçues. Et on va aller voir un peu ce qui nous manque dans l'arsenal. Donc, il nous manque quand même pas mal, regardez. Hein. Il nous manque encore quelques openings à faire. Hein. Ouais, je crois qu'il y en a encore pas mal d'openings. Hein. Regardez tout ce que je dois débloquer encore. Donc ça, c'est dans le labo expérimental. Ah, dans les armes de poing. Ah, ça va, dans les armes de poing, il m'en manque que 5. Alors, on va aller voir dans collection de survivants. Donc, hop, là, j'ai tout. Magnifique. Ok. Ouais, non, j'ai pas tout. Il m'en manque quelques-uns. Il me manque là, sommet. Et il me manque deux trucs ici. Donc, le bozo. Le Bozozoku et la Warzite. Ok, et dans MK2 il m'en manque quand même pas mal, je crois. Hein. Ouais, dans le MK2 c'est le plus chaud à voir, je pense. Hein. Le MK2, ça va, quoi que, il m'en manque pas tant que ça. Hein. Ouais, c'est quand même un peu. Quand même. Putain, j'ai tous les snipers à venir. J'ai quand même pas mal de choses débloquées. Ça. On arrive au bout. Hein. Arme de corps à corps. Mais si je l'ai en zombie, alors pourquoi je l'ai pas dans mes équipements? Ça doit sûrement être dans classique. Non, arme de poing. Non. Ouais, non, je l'ai pas dans. Non, je l'ai pas dans la zombie. Hein. Peut-être que si je l'ai dans la boîte, je l'aurai quand même en épique. Ce serait quand même bien si je l'ai dans la boîte, là, la hache, ce serait bien. T'imagines, je l'ai en épée, que je peux la lancer et tout. Waouh, ce serait trop stylé. Faut que je demande un,
Donc je demande à Trashdead pour voir si, ce qu'il en pense de ça. Donc voilà, le pack opening est terminé. J'espère que cette info news vous aura plu. J'espère que l'opening vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager cette vidéo un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et commenter si vous avez des choses à dire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et de photos. Allez, ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.